Cette réserve naturelle a été créée le 26 février 1974 dans le département des Pyrénées-Orientales. La particularité de cette réserve, c'est qu'elle est exclusivement marine, c'est-à-dire que nous n'avons aucune partie terrestre. Les résultats qu'on a, nous, au niveau de la réserve sont très parlants, déjà au niveau du mérou, par exemple, puisque c'est l'espèce emblématique. Donc au début de la création, on avait à peu près une quinzaine d'individus. On atteint maintenant 620 individus. Nous avons installé depuis 10 ans, depuis 2000, un sentier sous-marin où on aura ici la chance d'avoir 5 écosystèmes différents sur une longueur de 250 mètres. Elle fait 650 hectares, une zone de protection partielle, une zone de protection classique où les activités sont réglementées et une zone qui fait un dixième, soit 65 hectares, de zone de protection renforcée où là toutes les activités y sont interdites. On atteint maintenant des chiffres à peu près équivalents entre la zone de protection renforcée et la zone de protection partielle, donc c'est vraiment bénéfique parce que ça prouve que la réserve partielle aussi se repeuple. Donc il a fallu attendre 45 ans pour avoir des résultats concrets avec une évolution du nombre d'espèces, une richesse du milieu. Figurer sur la liste verte du LICN, c'est un gage de qualité. Ça nous permet de monter des projets et d'être suivis sur ces projets-là.